Chaff, bienvenue à votre formation de base de pilotage. Avant de vous laisser affronter l'ennemi, voyons ensemble quelques commandes de base. Nous allons également couvrir quelques éléments non inclus dans les manuels. Tout d'abord, étudions les commandes. Ces éléments sur vos ailes s'appellent des ailerons. Ils servent à commander le roulis de votre avion en déplaçant les ailerons vers le haut ou vers le bas. Parfait. Maintenant, revenons en vol horizontal. Étudions maintenant la prochaine commande, la couverte de profondeur. Remarquez que vous perdez de l'altitude, mais que vous gagnez en vitesse. Maintenant, mettez l'appareil à l'horizontale en déplaçant la gouverne de profondeur dans l'autre direction. Gardez le même cap. Faire tourner l'appareil s'avère légèrement plus difficile. Donnez d'abord un mouvement de roulis à l'avion avec les ailerons, puis tirez sur le manche à balai. Après cela, faites un roulis de l'autre côté pour arrêter de tourner. La vitesse aérienne de l'avion est principalement contrôlée par la poussée du moteur. Réduisez l'alimentation de 30%. Pour rester en l'air, essayez de compenser la perte d'alimentation en abaissant la couverture de profondeur. Maintenant, augmentez la puissance et mettez votre avion à l'horizontale. Cependant, même la pleine puissance ne suffit parfois pas. La puissance guerrière d'urgence sera donc utile pour un supplément d'accélération temporaire. Continuez à voler en PGU. Augmentez votre vitesse aérienne en utilisant la PGU. Corporal Clark, vous avez fait vos preuves en formation de pilotage de base. J'espère que cette fois, vous n'allez pas non plus me décevoir. Revoyons quelques-uns des moments.
moment clé du combat aérien. La conscience de votre situation dans l'espace est un élément essentiel à la victoire. Essayez de regarder autour de vous. Un ennemi ne vous surprendra jamais si vous regardez tout autour de vous. Vous avez une excellente visibilité globale en vue externe. Il existe aussi d'autres vues. Voyez passer en vue du cockpit. Restez pour l'instant dans cette vue. Pour une cible difficile à repérer, même à un kilomètre de distance. Essayons d'y regarder de plus près. Vous pouvez également utiliser cette vue en zoom pour mieux viser. Attention, un bombardier ennemi vient d'être repéré dans cette zone. Ouvrez votre carte pour le localiser. Il sera peut-être votre première victime. Repassez en vue externe. Maintenant, vous êtes sûr qu'il faut attaquer cet avion. Sélectionnez-le en tant que cible. Ce bombardier est sélectionné et vous pouvez maintenant utiliser la caméra viseur. La caméra viseur vous permet de localiser plus facilement l'arrière de votre cible et de l'attaquer. Voilà qui couvre largement la leçon d'aujourd'hui. Rentrons à la base. Abaissez votre train d'atterrissage pour vous préparer à atterrir. Parfait. Le train d'atterrissage sera abaissé et verrouillé dans quelques secondes. Nous sommes encore assez loin de la piste et votre train d'atterrissage vous ralentit. Rentrez-le et continuons. Votre train d'atterrissage est rentré. Ne le sentez que si vous êtes prêt à atterrir. Félicitations, vous avez terminé et réussi cette mission de formation. Continuez comme ça. L'activité de la Luftwaffe dans la région a augmenté ces derniers jours. Ceci n'est pas surprenant. Les Boches rassemblent des forces en France. Nous risquons de tomber sur un ennemi ou deux. Ouvrez l'œil. À votre dernière sortie, vous avez fait preuve de votre capacité à descendre des ennemis. Mais j'ai oublié un point important. Vos armes ont un recul qui vous ralentit légèrement. Ne l'oubliez pas. Continuez à tirer. Vous n'avez pas à vous soucier des munitions aujourd'hui. Thank you.
Charger Aiko, juste là. Descendez-le. Sélectionnez-le. Bien. Voilà votre cible. Si vous visez le bombardier à une distance de 600 mètres, vos munitions tomberont loin derrière et rattraperont par la cible. Alors tirez toujours en avant de votre cible. L'angle de déviation recommandé est indiqué par une croix derrière votre cible. Je suis fier de vous. N'oubliez jamais la déviation avant de tirer. Regardez, encore des bombardiers. Sélectionnez le bombardier qui clignote. Ce sont vos cibles désignées. Vous devez maintenir le bouton enfoncé. Ainsi, vous pouvez sélectionner vos objectifs de mission. Continuez à utiliser la caméra viseur avec ce bombardier. Continuez à utiliser la caméra viseur. Détruisez ce bombardier. N'oubliez pas d'utiliser la caméra viseur pour cela. « 1939. Une nouvelle guerre mondiale commence en Europe. L'Allemagne nazie prend le contrôle de la Tchécoslovaquie et envahit la Pologne. Puis vient le tour du Danemark et de la Norvège. La Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg sont battus par la Wehrmacht. Et bien d'autres pays sont dévorés par le Troisième Reich. Le gouvernement français signe l'armistice le 22 juin 1940. Le corps expéditionnaire britannique, écrasé par l'ennemi, s'échappe de justesse de Dunkerque. L'Allemagne est encore victorieuse et la Seconde Guerre mondiale entre dans une nouvelle phase. La Grande-Bretagne reste le seul pays européen à faire front à l'Allemagne nazie. Les Britanniques ne seront jamais des esclaves. Séparés du continent européen par la Manche, les îles britanniques sont temporairement protégées de la blitzkrieg allemande. La Grande-Bretagne sait bien que la première frappe viendra du ciel. Elle s'y est préparée. Une infrastructure défensive complexe, alliant détection, commande et contrôle, le système Dowding, donne à la Royal Air Force un avantage indéniable. La RAF est une force aérienne plurinationale, avec des pilotes du Commonwealth, mais aussi de Pologne, de Tchécoslovaquie, de France, de Belgique et d'autres pays alliés des Britanniques. Le 13 juillet 1940, Hitler approuve en personne l'opération Otari, prévoyant l'invasion à grande échelle du Royaume-Uni. Sir Winston Churchill, Premier ministre britannique, fit alors ce discours célèbre. « Nous irons jusqu'au bout. Nous nous battrons en France. Nous nous battrons sur les mers et les océans. Nous nous battrons avec une confiance et une force croissante dans les airs. Nous défendrons notre île, quel qu'en soit le prix. » Nous nous battrons sur les plages. Nous nous battrons sur les aires d'atterrissage. Nous nous battrons dans les champs et dans les rues. Nous nous battrons dans les montagnes. Nous ne nous rendrons jamais. En quelques jours, des milliers de bombardiers et de chasseurs allemands allaient s'envoler pour l'Angleterre et essayer de percer les défenses britanniques. Quelques jeunes pilotes de la Royal Air Force
allaient être les derniers éléments à s'interposer entre Hitler et ses projets de domination totale de l'Europe. Jamais, dans l'histoire des conflits humains, un si grand nombre d'hommes n'avait dû autant à un si petit nombre. Nous sommes en chemin pour Douvres. Suivez-moi. Altitude 1500, vitesse 185, à vous. Bien reçu. Regardez ça, des Spitfire flambant neuf. Joli coucou. J'ai entendu dire qu'on allait bientôt avoir les mêmes. Attention, Tuck. Ici Poisson escadronnant. La Navy signale deux bombardiers allemands qui se dirigent vers nous. Vous me recevez? Terminé. Roger, je vous reçois 5 sur 5. Seulement deux? Sûrement des retardataires. Allons leur régler leur compte.
Vous les avez eus? Je les ai. J'attaque. Un extrait du journal de Owen Wright. 10 juillet 1940. Ils m'ont appelé aujourd'hui. J'étais si enthousiaste à l'idée de pouvoir enfin me battre pour mon pays, la Grande-Bretagne, que j'en ai oublié mon foulard porte-bonheur. Les forces aériennes nazies sont encore plus puissantes que ce qu'en disent les rapports de renseignement français. Je n'ai jamais vu autant d'avions dans le ciel en même temps. C'était exaltant, mais aussi vraiment terrifiant. Mes camarades de la RAF m'ont sauvé la vie plus d'une fois, et je leur en suis reconnaissant. Qu'aurait dit ma pauvre mère si j'avais été abattu lors de mon premier vol en temps de guerre? Les Boches n'ont pas l'air de vouloir stopper leur assaut, alors j'espère avoir fait suffisamment mes preuves pour être appelé à nouveau par le caporal chef Tuck. Je ne dois pas oublier de prendre mon foulard. J'ai l'impression que j'en aurai besoin la prochaine fois. Notre mission est de défendre les navires de la Royal Navy. La destroyer HMS Cossack et des navires de transport sont juste au nord de Douvres. Quel sera notre premier objectif? Le croiseur léger Glasgow est au nord de ce navire. Ce sera notre deuxième objectif. Hey Tug, c'est quoi ce truc bizarre en dessous? C'est le radar. Les oreilles et les yeux du Fighter Command. Il peut repérer tous les avions de la Luftwaffe au-dessus de la Manche.
target s'approche. On y est. On s'occupera d'eux bientôt.
nous allons boire à votre santé. Et je me demande si MacArthur a déjà décollé. Il est censé venir assurer notre relève. Oui, gentlemen, nous y sommes presque. Attention, voilà d'autres bombardiers. Bien reçu, j'allais voir. Gentlemen, vous pouvez nous aider? Journal de Owen Wright, 13 juillet 1940. Difficile d'oublier l'image de ces hommes en train de se noyer. Heureusement, de là où nous sommes, nous ne voyons pas réellement ce qui se passe quand un navire est coulé. Mais j'imagine que c'est terrifiant. On nous a dit que le HMS Cossack était arrivé à destination finale. Mais je sais bien que d'autres n'ont pas eu autant de chance. On a fait de notre mieux, mais c'était presque en vain. La supériorité numérique de la Luftwaffe est bien trop importante. Pour chaque avion que je descendais, trois autres les remplaçaient. Je ne sais plus quoi faire. Plus personne ne le sait. Nous sommes fatigués et en colère. Cette guerre est presque un suicide. Je déteste être coincé à la base aérienne, sans pouvoir continuer à me battre. Nous essayons de faire passer le temps en jouant au domino, mais je suis nul. Et j'ai déjà perdu ma ration de sucre pour la semaine en jouant contre Richie Lewin. Je parie qu'il triche.